Bienvenue, histo curieuse et histo curieux. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'Esch-sur-Alzette, une ville située au Luxembourg, à la frontière avec la France. Cette ville a une histoire riche et fascinante, allant de son passé industriel à sa modernité cosmopolite. Restez avec nous pour en savoir plus sur cette destination unique. Esch-sur-Alzette, un passé industriel mouvementé. En 1328, elle est devenue une ville libre, marquant le début de son développement. Pendant de nombreuses années, la ville a été un bastion de la sidérurgie. Cependant, avec la crise de la sidérurgie dans le bassin lorrain, l'activité sidérurgique a dû évoluer. Aujourd'hui, avec l'acierie électrique et le laminoir, d'Esch-sur-Belvoir sont les principaux acteurs de cette industrie, tandis que d'anciens hauts fourneaux ont été démantelés, exportés en Chine ou transformés en musées. En 1937, la ville disposait même d'un aérodrome, dont le site est désormais occupé par un quartier résidentiel, avec une rue nommée rue de l'aérodrome. Un moment clé de l'histoire de la ville s'est déroulé le 10 mai 1940, au début de la bataille de France. Les Français de la 3e division légère de cavalerie ont affronté des Allemands dès l'aube, provoquant une surprise chez les combattants. Cette journée a été marquée par des combats intenses, avant que les Français ne repassent par la frontière le lendemain. Aujourd'hui, elle est la capitale des Terres Rouges, une région riche en minerais de fer. La ville reste un grand centre sidérurgique du pays, mais elle est également devenue une ville cosmopolite avec plus de 30% de ses habitants issus de l'étranger. Cette diversité culturelle se reflète dans son dynamisme commercial. C'est une ville qui a su évoluer au fil du temps, passant d'une ville industrielle à un centre moderne et diversifié. Son histoire riche et sa situation géographique unique avec la frontière française en font une destination intéressante à explorer. J'espère que cette vidéo vous a donné un aperçu de cette ville fascinante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et de voyages intéressants. Merci de nous avoir rejoints. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Non loin de chez toi.